Bonjour à tous. Ça fait plusieurs semaines que je vous parle d'une vidéo sur les enfants arc-en-ciel. Vous avez été quelques-uns à me partager vos expériences et à me poser des questions sur ma page Facebook. Je vous rappelle que si vous voulez suivre les actualités, ma page Facebook sera dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Alors, qui sont les enfants arc-en-ciel? Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, même si je travaille vraiment en énergétique, même si je suis effectivement médium, j'ai les pieds bien sur terre et je préfère des explications bien ancrées que des explications un petit peu perchées. Non pas que ça me pose problème, mais je fais partie de ces gens qui ont besoin d'explications terre à terre pour pouvoir justement s'élever. Et je pense qu'il est important d'avoir des explications bien terre à terre pour s'élever parce que sinon, pas d'ancrage. Donc, qui sont les enfants arc-en-ciel? C'est une appellation qui englobe tous les enfants qui sont nés après une fausse couche, après la perte d'un enfant. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme quand le soleil revient après l'orage, après la pluie, après une saison terne et froide, l'arc-en-ciel arrive et illumine nos vies. Et c'est ce que sont ces enfants. Ils sont l'espoir, le renouveau, le printemps, le retour à la vie, après avoir perdu un enfant. Il est très important d'accompagner ces enfants dans leur quête. Il est très important de leur expliquer qu'avant eux, il y avait un autre enfant. Et que cet enfant, s'il n'est pas né, il a néanmoins existé. Pourquoi est-ce que c'est important? Déjà, parce que quoi qu'il arrive, il connaît cet enfant. N'oubliez pas que, comme l'enfant arc-en-ciel, va être fabriqué dans votre utérus, là où a été fabriqué l'enfant précédent. Donc, il y aura une rémanence énergétique que l'enfant arc-en-ciel ressentira. Et donc, que vous lui disiez ou non, il saura. Ce sera un enfant qui parlera peut-être à son frère imaginaire. Et vous avez été quelques-uns à me dire qu'effectivement vous aviez un enfant arc-en-ciel qui parlait à son frère imaginaire. Mais il n'est pas imaginaire. Quand ils sont enfants, quand nous avons été enfants, nous avons cette capacité de communiquer avec ce qui vit, mais aussi avec ce qui a vécu. Nous sommes des petits médiums jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc de toute façon, il va le savoir. Mais malheureusement, si on ne lui en parle pas, il ne pourra que fantasmer, que spéculer. Et du coup, il va pouvoir s'imaginer absolument tout. Et c'est là où ça pourra lui poser problème. Il pourra se demander pourquoi cet enfant n'est pas là, parce qu'il pourra même le croire vivant. Il pourra croire qu'il a été abandonné, etc. etc. Donc c'est vraiment très important de lui expliquer ce qui s'est passé. Comme ça, vous ne laisserez aucune place au fantasme et surtout, aucune place à la peur. Vous ne laisserez place qu'à l'amour. Ensuite, c'est important aussi par rapport à sa place dans la fratrie. Si malheureusement vous avez perdu votre premier enfant par fausse couche, celui qui naîtra ensuite ne sera pas l'aîné. Il sera le cadet. Et le rôle du cadet n'est pas celui de l'aîné. Donc si vous lui demandez de prendre la place de l'aîné, vous le mettez dans une situation d'enfant de remplacement. Il ne pourra jamais être lui-même. Il sera l'autre. L'aîné est celui qui vient réaliser les rêves de ses parents, les rêves inachevés. Il vient terminer. À tort ou à raison, parce que ce n'est pas forcément ce qu'on lui demande, mais c'est ce qu'il pensera qu'on lui demande. Le cadet, lui, est là plutôt pour montrer les blocages dans une lignée. Et
Donc va avoir une vie beaucoup plus bousculée, alors que l'aîné sera toujours parfaitement aligné avec ce qu'on attend de lui. Donc ne demandez pas à votre enfant arc-en-ciel d'être un enfant de remplacement, tout simplement parce que vous ne lui avez pas expliqué quelle est sa place dans la fratrie. C'est vraiment, vraiment important pour lui. Parce qu'être un enfant de remplacement, je vous l'assure, nous interdit d'être nous-mêmes. Nous vivons pour l'autre. Nous essayons de vivre quand même pour nous-mêmes. Et pour ceux qui s'intéressent, pour ceux qui veulent aller plus loin, nous aurons l'impression d'avoir une partie de nous qui n'est pas ici. Et donc, nous pouvons faire des soins énergétiques pour faire ce qu'on appelle un recouvrement d'âme. Mais en réalité, c'est tout simplement que nous restons vraiment liés à cet enfant qui n'a pas pu naître. Et ainsi, nous ne sommes pas complètement incarnés. Voilà pourquoi la meilleure façon d'aider cet enfant, c'est simplement de lui expliquer son histoire, pour qu'il puisse l'entendre, la comprendre et se l'approprier. Vous verrez que c'est aussi libérateur pour lui que pour vous. Ces enfants sont bien sûr très sensibles, comme les enfants diamants. Vous allez pouvoir effectivement aussi les décrire en matière d'aura comme des auras arc-en-ciel, tout simplement parce que leur hypersensibilité leur permettra, tout comme les enfants diamants, de fonctionner par intrication et donc de guérir en permanence les autres, tout simplement en étant proche d'eux. Ce sont des enfants qui, bien sûr, seront aptes plus facilement à la médiumnité et à la guérison par imposition des mains, parce que tous leurs chakras sont ouverts, tout simplement. Et c'est pour ça aussi qu'on peut les décrire comme étant arc-en-ciel, parce qu'absolument tout le canal est ouvert. Ce sont des enfants, on m'a posé la question, qui effectivement pourront avoir une soif de vivre si on ne leur a pas expliqué ce qui s'est passé, et pourront souffrir du fameux syndrome du survivant, c'est-à-dire qu'ils vont toujours essayer de dépasser les limites en se demandant si ils sont immortels, peut-être même en y croyant. Et ils brûleront la chandelle par les deux bouts. Là encore, il suffit de leur expliquer leur histoire pour qu'ils soient apaisés et pour qu'ils ne se sentent pas perpétuellement appelés par l'autre côté. Qu'ils ressentent l'enfant qui n'a pas vécu n'a aucune importance pour leur vie de tous les jours. Au contraire, même, cette hypersensibilité est un cadeau. Mais il est important vraiment qu'ils comprennent déjà qu'ils ont raison, que cet enfant a effectivement existé et qu'ils ont raison de le ressentir, de lui parler et d'apprendre à le connaître, qu'ils ne sont pas fous, que ce qu'ils ressentent est juste. Et vous leur permettrez ainsi de s'épanouir sur ce chemin de la médiumnité qui est vraiment guérisseur pour l'humanité. La médiumnité est un cadeau. Ce n'est pas autre chose qu'un cadeau. Permettre d'obtenir des messages de nos défunts nous permet la guérison. Rappelez-vous que les défunts sont sortis de la peur et que pour eux, il ne reste que l'amour. C'est là où c'est important de recevoir leurs messages, parce que le détachement par rapport à notre vie matérielle leur permet de nous guider sans aucune émotion et donc de nous permettre vraiment d'avancer facilement sur notre chemin de vie vers notre mission. Les enfants arc-en-ciel, comme les enfants diamants, ont pour défaut d'être des écorchés vifs si on ne leur explique pas qui ils sont, parce qu'ils se demanderont toujours si
ils sont fous. Si ils sont normaux. Parce que ressentir ces choses, quand on n'est pas accompagné, ça peut effrayer. Et comme ils seront des écorchés vifs, ils pourront être d'humeur changeante. On pourra les qualifier de lunatiques, de solitaires. Ils préféreront la présence des animaux. Alors qu'en réalité, une fois qu'ils comprennent que leur hypersensibilité est vraiment là pour aider l'humanité, une fois qu'on leur explique, qu'on les accompagne, qu'on les prend dans les bras, qu'on les cajole, qu'on les entoure, on leur permet vraiment de grandir, comme cette graine qui, avant de pouvoir devenir un arbre, a absolument besoin d'être enveloppé. Comme ce poussin qui, avant de devenir une poule, a absolument besoin de sa coquille. Et comme ce fœtus qui, avant de pouvoir marcher, est obligé de vivre dans l'élément eau, bien protégé à l'intérieur du ventre de sa mère. Et donc là, ça va être pareil. Pour que cet enfant puisse devenir un médium épanoui, un médium qui surtout aura bien les pieds sur terre, il est important de l'entourer, de lui expliquer que ce qu'il ressent est juste, mais que ce n'est pas parce que c'est juste qu'il doit se détacher de l'incarnation. Au contraire, que s'il accepte sa mission, il permettra de nettoyer complètement sa lignée et de la libérer de ses fausses couches à répétition. Parce que malheureusement, les fausses couches sont à répétition tant qu'il n'y a pas un enfant assez aimé, entouré, protégé, mais surtout à qui on n'aura rien caché. Surtout, tant qu'il n'y aura pas cet enfant, la lignée continuera encore et encore à produire des fausses couches. Donc faites votre part en simplement ayant le courage de parler de choses dont on ne parlait pas par le passé. Voilà. Donc si vous avez des enfants arc-en-ciel et que vous avez des questions, vous le savez, comme d'habitude, vous pouvez me contacter. La façon la plus simple de me contacter est Messenger, et encore une fois, je mettrai ma page sur la vidéo. Si vous êtes vous-même arc-en-ciel, bien sûr que c'est possible. Ne croyez pas tout ce que l'on raconte sur ces vagues de, comment dire, de nouvelles personnes, de nouveaux êtres. Il y a des enfants arc-en-ciel depuis toujours. Sauf que la sensibilité avant était vue comme un défaut et tout simplement, on leur a demandé de fermer les écoutilles. Il y a énormément d'adultes, très mal dans leur peau, actuellement, qui sont des enfants arc-en-ciel ou des enfants diamants. Vous pouvez regarder mes vidéos sur les enfants diamants et vous verrez. Nous sommes très nombreux, alors que souvent, on nous croit très peu nombreux, tout simplement parce qu'on nous a appris à fermer la médiumnité. Aujourd'hui, enfin, le monde change et nous pouvons en parler ouvertement. C'est un cadeau. Alors accompagnez ces enfants au mieux. Utilisez vos mots et surtout autorisez-vous les émotions. Parce que, quoi qu'il arrive, rappelez-vous aussi que si vous avez un enfant arc-en-ciel, sans le vouloir, pendant votre grossesse, vous avez reporté sur lui les peurs de le perdre aussi. Et il a baigné dans ses peurs.
Et il est très important de lui expliquer pourquoi il a baigné dans ses peurs. Et la réponse est très simple. C'est parce que vous l'aimiez tellement que vous vouliez pouvoir l'accueillir pleinement. Rappelez-vous que la seule chose qui compte, c'est l'amour. Et qu'il n'y a personne de plus important que l'autre. C'est un travail d'équipe. Nous travaillons tous ensemble, à l'évolution de ce monde. Si chacun fait sa part, comme disait Pierre Rabhi, sa part du colibri, ensemble, nous ferons de ce monde vraiment quelque chose de merveilleux. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Et quelle que soit votre histoire, partagez-la. Partagez-la à vos enfants. Nous parlons ici des enfants arc-en-ciel, mais il y a tellement de secrets dans les familles. Et ce sont les secrets qui font les accidents de la vie.